Bienvenue sur cette nouvelle capsule de Atelier SJJ. C'est une capsule qui s'insère dans la série destinée spécialement aux débutantes en crochet, donc celles qui veulent faire leur premier pas et qui cherchent à apprendre les techniques de base et aller pas à pas dans le crochet afin de pouvoir réaliser des beaux projets par la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter une technique de base qui est monter une chaînette. Généralement, lorsqu'on vous demande de monter une chaînette, on commence d'abord par prendre notre crochet, notre laine. On fait une petite boucle et on fait ressortir notre fil pour faire un petit nœud. Je vais répéter. Je prends mon fil et je le passe dans la boucle et je tire doucement. Et c'est la première boucle qui tient mon crochet. Je prends le fil, je le mets sur ma droite et ma laine sur ma gauche. Et avec le crochet, je vais faire une jetée. Je tiens ma boucle et je tire ma laine au milieu de la boucle. Là, je viens de faire ma première chaînette. Je fais une jetée. Je tire sur ma boucle et je passe mon fil à l'aide de mon crochet au milieu de la boucle. Je fais une jetée. Je prends ma chaînette avec mon doigt et à l'aide du crochet, je fais passer la laine au milieu. Donc ça s'appelle faire une chaînette et d'habitude c'est la base pour commencer le travail. Donc quand on vous demande de faire une chaînette de 9 par exemple, donc vous comptez à chaque fois que vous passez votre crochet dans la boucle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc je répète une dernière fois pour la fin de cette capsule. Je fais une jetée sur mon crochet, je tiens ma chaînette et je fais passer mon fil au milieu de la boucle à l'aide de mon crochet. Là, ça compte une chaînette. Donc là, vous avez appris à faire une chaînette. Donc je vous laisse vous entraîner et retrouvez-moi dans une autre capsule pour voir une autre technique du crochet. À tout à l'heure.